Bonjour, c'est Julie. Aujourd'hui, nous allons faire la posture de la chandelle. Alors, cette posture est une posture d'inversion. Donc, dans cette posture, vous allez nettoyer votre circulation sanguine qui va venir s'inverser et vous allez débloquer peut-être les petites stagnations qui se seront placées dans votre circulation. Alors, aujourd'hui, avec nous, nous avons Philippe qui est débutant en yoga et qui est professeur dans une école secondaire. Alors aujourd'hui, on va travailler avec deux couvertures. Je vais venir placer les couvertures comme ceci au bout du tapis. Vous allez laisser un petit espace pour la tête. Alors essayez de bien placer les couvertures à plat sur le sol. Si vos couvertures ne sont pas correctement placées, il va être un petit peu difficile de faire cette posture. Et placez les gros bords de la couverture vers le bout du tapis. Alors ensuite, Philippe, tu vas venir mettre les épaules sur la couverture et puis la tête sur le tapis. Alors, ces couvertures vont vous permettre de bien garder l'allongement au niveau des cervicales. Et c'est vrai que souvent, lorsque l'on est dans cette posture, si on n'a pas de couverture, on va écraser les cervicales. Et donc ici, ça vous permet de garder l'allongement. Ensuite, tu vas ramener les genoux près de la poitrine et puis tu vas monter les fessiers vers le ciel. Place les mains dans le bas du dos. Et puis tout doucement, rapproche les coudes l'un près de l'autre. Alors, dans cette posture, parfois on a tendance à écarter un petit peu trop les coudes. Donc, essaye de bien placer les coudes de manière à avoir la distance des épaules entre les coudes. Et puis, monte les fessiers vers le ciel de manière à bien allonger dans la colonne, dans le dos. Tire les pieds vers le haut. Et simplement imagine que tu es en position debout. Et au lieu d'avoir l'ancrage au niveau des pieds, tu as l'ancrage au niveau des épaules, au niveau du haut des bras. Et puis, tu as de la légèreté dans les jambes. Et tout doucement, tu vas descendre les pieds vers l'arrière. Et déroule la colonne et relâche. Et tu vas venir mettre la tête sur la couverture. Avance un tout petit peu. Voilà, relâche la tête sur la couverture. Relâche quelques instants. Et prenez cet instant pour bien relâcher, pour laisser la circulation sanguine reprendre son cours normal. Respire bien calmement et profondément. Et puis tout doucement, tu vas venir te remettre en position assise. Alors j'espère que ces conseils vous aideront dans votre pratique future. Et à bientôt pour une nouvelle séquence. Namasté.